assez abrasive et au carton là, avec la Lexus. Là. Oui, bah là, voilà, les drapeaux jaunes justement qui n'arrêtent pas de venir et de ponctuer cette course. Donc voilà, restez dans le tour du leader, pardon. Le rythme, on en parlait tout à l'heure, c'est important aussi de l'avoir et tu l'as montré justement. T'as réussi à prendre jusqu'à 18 ou 20 secondes d'avance. Ça, c'était une stratégie pour montrer finalement à l'équipe que c'était. Je crois que c'est la 02 qui a eu le carton avec la Lexus, il me semble. Ah. Alors on n'a pas encore eu l'image, nous on a un petit peu de décalage. On sait qu'il y a drapeau jaune par contre. Elle est détruite Alexis. Aïe. J'ai vu un proto partir. Il y a une deuxième voiture qui ressemblait à la 02. Alors on va essayer de voir ça. On est un petit peu décalé sur l'image, j'avoue Sébastien. Alors oui, elle est détruite. Ah, oui. Je te confirme, on a l'image de la Lexus. C'est Loïc. Oh, ah, c'est la 05, c'est la 5. Eh oui, cette voiture que tu connais bien puisque l'année dernière tu avais gagné les 12 heures de Sebring. Ah bah voilà, alors là Sébastien, c'est clairement la gestion du trafic, c'est compliqué hein. Ouais bah dans la descente il y a tellement de temps à perdre, c'est difficile, mais bon là avec les GT là malheureusement c'est un métier.